Salut à tous, vendredi 5 au matin sur Groupe 7.1. On est en train de remonter l'Atlantique, donc on est dans les alizés, face au vent, face à la mer. Des alizés assez costauds, on a entre 25 et 30 nœuds facile. Donc ça bouge pas mal, ça tape beaucoup. C'est pas confortable du tout. Et forcément, comme on est au près, bah, c'est pas l'allure la plus rapide et ce qu'aiment nos bateaux, mais c'est comme ça, on n'a pas le choix. En plus, on n'est pas franchement aidé parce que on a beaucoup d'algues, des sargasses qui se prennent dans les safrans, dans les dérives, dans la quille. Ces algues, ce sont il y a un poisson volant en plus là. Il y a ces algues de ce sont des petites algues là et il y en a des paquets quand on passe dedans, évidemment ça se prend dans les safrans, dans les dérives, etc. Ça ralentit le bateau. Alors il y a des moments où on est obligé de relever les safrans, donc il faut remettre le bateau à plat, il faut ralentir le bateau évidemment. Donc ça nous aide pas non plus. Les poissons volants, malheureusement on essaye de les remettre à l'eau quand c'est possible, mais il y en a qui s'échouent. Des fois ça, au petit matin, ça ressemble plus à un bateau de pêche qu'un Imoca. Il y en a partout, malheureusement on essaye de les sauver quand ils atterrissent sur le pont et qu'on les voit ou qu'on les entend, mais on ne peut pas toujours. Donc voilà, et on essaye de faire tout pour arriver au plus vite. Ça sera pas facile, ça fait deux ou trois jours qu'on est au près comme ça dans les alizés. Il y en a encore au moins pour 2-3 jours. Ensuite il y aura l'anticyclone des Açores à gérer qui nous barre bien la route et les dépressions, les fichiers sont pas encore calés, mais les dépressions qu'il faudra gérer, la dernière dépression avant l'arrivée au sable, qui ont l'air costaud, mais bon, pour l'instant c'est encore pas calé, ça sera dans une dizaine de jours à peu près. Donc voilà, on fait tout pour arriver au plus vite, tout en ménageant évidemment, en faisant attention au bateau qui, comme le bonhomme, commence à fatiguer un petit peu, mais je pense que ça c'est normal. Et le prêt ne nous aide pas parce que c'est une allure qui est fatigante. Je pense que vous vous rendez compte, ça tape pas mal, ça bouge. Tout est compliqué en fait au prêt, il faut se tenir tout le temps, la moindre chose, se faire un café c'est compliqué. La vie à bord est pas simple. Mais bon, ça fait partie du jeu. On a bientôt, on tient le bon bout, donc il faut faire attention encore, rester concentré, pas faire de bêtises. Et voilà, on va vous rejoindre rapidement maintenant. Allez, je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Voilà, l'avantage c'est quand même qu'il fait beau aujourd'hui parce que depuis 2-3 jours c'était très nuageux, très orageux, et là au moins on a le soleil. C'est déjà ça, même si le vent est assez est costaud et que la mer est de face. Allez, je vous embrasse, à bientôt, ciao.